Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons actuellement devant la tente de la démonstration culinaire du chef Jacques Hildenbrand qui nous a préparé un petit plat qui a l'air très délicieux. Suivez-moi. Alors j'ai préparé pour coller un petit peu au thème un cabillaud sauvage norvégien. Épais, donc poêlé, avec une petite compotée d'oignons, des petites mouillettes de pain de mie, une petite crème de truffe parce que j'aime bien associer quand même nos produits locaux, hein, c'est très important. Donc je travaille avec un trufficulteur d'un village d'Armonville qui est président de la trufficulture du Grand Est, quelqu'un de passionné et de passionnant. Donc j'ai mis en avant un petit peu ses produits sur la truffe vosgienne. Bon, ça, c'est surtout le poisson en fait. Hein. Les pays nordiques, c'est le pays du poisson, c'est le turbot, c'est les barbus, c'est bien évidemment le skrei, le magnifique cabillaud épais. Voilà, c'est vraiment pour moi une cuisine de la mer, essentiellement. Hein. Dans leur culture, ils mangeaient énormément de poissons. On s'en inspire beaucoup pour la fraîcheur des produits. Et voilà quoi. La gastronomie, c'est l'avenir. C'est le passé, mais c'est l'avenir. Donc il y a une grosse remise en question dans nos métiers, travailler en local. Ça fait des années que je le dis, mais je crois que ça prend vraiment, avec tout ce qu'on peut voir à la télévision, etc., travailler les produits locaux quand c'est la bonne saison. Hein. Ne pas travailler des fraises au mois de décembre, on peut, hein, voilà, elles viennent du Chili. Il vaut mieux travailler de la fraise au mois de mai-juin que de la travailler au mois de décembre. Et en retour, ce que faisaient nos grands-parents... Parce qu'il y avait moins de transport, moins de choses comme ça. Donc il faut simplement revenir à des valeurs essentielles. Après, c'est surtout ça l'essentiel. Donc j'ai fait une variante, j'ai fait une pomme de terre purée au beurre avec de la truffe. Et j'ai fait une pomme de terre, une patate. Il donnait justement une explication que dans les restaurants maintenant, on a de plus en plus d'ingrédients, de choses vraiment très très compliquées. Alors que trois éléments seulement, simples, cabillaud, purée... et crème de truffe, excellent. Trois éléments, la simplification. Bonne présentation, excellente, on vient même de goûter. Cabillaud cuit à point. Il donne ses petites anecdotes en même temps de son restaurant. Très très bien.